Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Je vous prends avec moi pour une vidéo un peu spéciale, enfin non c'est un book haul hein, en soi, mais la construction ce sera un peu différente de d'habitude. J'ai décidé de classer mes livres dans l'échelle du glauque, mais sachant que je ne les ai pas encore lus, donc c'est possible qu'il y ait des petites erreurs, on retrouve des dissections dans des livres pour enfants, je ne sais pas. En tout cas, c'est possible qu'il y ait des petites erreurs dans ce classement, mais en tout cas je vais anticiper la glauquitude des livres. Et donc je vais les trier comme ça. Il y aura trois parties dans cette vidéo. Une première partie avec des livres plutôt choupinou, des petits trucs de Noël, des livres jeunesse, en principe pas trop glauques, des livres, des petites romances ou des choses comme ça. La deuxième partie, ce seront plutôt des classiques, des drames aussi, de livres un petit peu plus sombres. Et en dernière partie, bien sûr, bah, on aura la cerise sur le gâteau, les petits thrillers sympathiques que je classerai évidemment par ordre de glauquitude. Hein, on va voir. Voilà. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Première partie de cette vidéo book haul, j'ai décidé de vous présenter donc des livres un petit peu cosy, un petit peu douillet, des livres par exemple pour enfants, des livres plutôt jeunesse, des livres de Noël aussi. Donc si vous n'êtes pas encore dans l'ambiance de Noël et que vous cherchez encore des lectures, peut-être qu'il y a un des livres parmi ceux que je vais vous montrer qui vous conviendra. Ou des livres qui ne risquent pas de contenir des taches de sang ou autre. J'ai quand même fait une petite échelle avec certains livres jeunesse qui contiennent peut-être des enlèvements, des trahisons et quelques petits meurtres. Mais je vais commencer vraiment par le plus clean possible. Je pense que le livre le moins glauque de ce book haul, c'est celui-ci. Il s'agit de Cozy, The British Art of Comfort. Donc c'est l'art du confort britannique. Je pense que les Anglais sont vraiment très très doués pour parler du cozy. Dans ce livre, on va retrouver plein de choses à faire pour être confortable chez soi. Alors vous allez me dire, on n'a pas besoin d'un livre pour savoir qu'il faut se mettre dans un petit pull pilou pilou et boire du thé, on sait. Ben écoutez, moi j'avais envie de découvrir ce qu'on nous proposait, ce que Laura Weir nous proposait. Écoutez, ça me tente beaucoup cette lecture. On va effectivement parler de thé. Il y a des petites illustrations qui sont pas folles, hein, honnêtement. On a l'art de l'habillement cosy. Je sais pas ce qu'on va nous proposer, honnêtement, ça dépend aussi de la manière dont ce sera écrit, mais comme c'est écrit en anglais, j'aurais pas de grosses exigences au niveau du style. On a les saisons, on a quoi d'autre? Je pense qu'on aura de la décoration, on aura tout ce qui est choses faites main. Écoutez, moi ça me tente beaucoup, alors que ce soit un moment de l'année où on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas le temps de se poser, commencer à lire ça pour un petit peu se détendre, ou carrément le lire quand on est en vacances et qu'on est là... pépère sur le fauteuil, je pense que ça peut être une chouette lecture. Pour rester avec le mot cosy, je vais vous montrer un livre que j'ai reçu, merci beaucoup encore Annabelle parce que j'avais très très envie de le découvrir. Il s'agit de Monotone Cosy, donc de Caro From Woodland, hein, je pense que vous la suivez un peu tous sur sa chaîne YouTube. Elle a fait donc un livre Monotone Cosy qui va... pareil, partager toutes des astuces, des choses autour de l'art d'être cosy et d'avoir un automne le plus relaxant possible. Et en fait, ici, par contre, les illustrations sont super importantes. C'est surtout pour ça que j'avais envie de le découvrir parce que l'univers de Caro est quand même très très joli. C'est vraiment en plus des couleurs que j'aime beaucoup, le orange...
des couleurs d'automne forcément. Et alors elle propose des choses, ben voilà, de faire des fleurs séchées. Elle nous propose des listes de livres à lire. Alors bon, on n'a pas forcément les mêmes goûts au niveau de la lecture, quoique je vois des trucs qui me tentent bien. on a aussi des films d'automne. Elle a recensé tous les épisodes de Gilmore Girls qui se passent en automne. Gilmore Girls qui est une de mes séries préférées, donc je pense que je vais passer un bon moment avec cette lecture. Alors moi je voulais le lire en automne. Nous sommes techniquement encore en automne, alors vous voyez cette vidéo, mais j'ai installé le sapin, donc clairement moi je suis en hiver, donc voilà. Mais peut-être que c'est un livre que je pourrais lire à la sortie des fêtes de Noël. Vous savez, quand on est un peu déprimé là au mois de janvier, je pense que ça peut être hyper réconfortant. Puis on a tous les petits animaux d'automne, j'ai très hâte. Voilà pour mon automne cosy. Ensuite, j'ai décidé de mettre une romance parce qu'à mon avis, il n'y aura pas de petites choses dégueulasses dans une romance. J'ai mis donc dans cette sélection Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera. C'est la romance que j'ai achetée cette année pour Noël, en papier en tout cas. J'ai très envie de la découvrir. On va suivre l'histoire de Romy qui vient de vivre une rupture difficile et elle n'arrive pas trop à s'en remettre et elle veut absolument se venger de son ex-compagnon, même de son ex-fiancé. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller dans son appartement pour un peu mettre le bordel, hein, clairement. Sauf que, ben, forcément, c'était une romance de Noël. Donc elle se trompe et elle va dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Donc j'imagine que le gars, il a déménagé et il y a quelqu'un d'autre qui habite dans l'appartement et du coup, elle fout le bordel. En même temps, elle doit être un peu débile pour pas se rendre compte que c'est pas les affaires de son fiancé. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Ou alors, j'ai rien compris au résumé, c'est possible aussi. Mais j'aime bien ce résumé, je trouve ça fun. J'espère que ça va être drôle. Je ne sais pas si je vais le lire cette année, honnêtement, parce que j'ai quand même pas mal de livres prévus autour de Noël. Vous allez voir, il y en a un. Je l'attends, ce moment où je vais le commencer. Mais en tout cas, oui, je pense que ça va être une chouette petite lecture. Si je ne lis pas cette année, ce sera une autre année. Et c'est le coup de cœur de Julie de la librairie Molière de Charleroi. Donc je fais confiance, Julie, si tu passes un jour par là, je ne pense pas. Mais je te fais confiance, hein. Ça a intérêt à être un coup de cœur. Ensuite, un livre qui aurait pu être même le premier de cette sélection, il s'agit de La petite maison dans la prairie. Alors plus exactement, c'est La petite maison dans les grands bois. Super traduction Isabelle, donc c'est la version anglaise du premier tome de La petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder qui va parler un peu de l'histoire de sa famille. Enfin, je pense que tout le monde connaît La petite maison dans la prairie, je suis peut-être la seule personne au monde à ne pas avoir vu cette série. Laura, si tu passes par là, tu peux encore dire à tous mes abonnés que je suis un culte et ignare. C'est vrai, tu as raison, j'ai jamais vu La petite maison dans la prairie. Pour la petite excuse, hein, pour le racontage de live, je ne regardais pas beaucoup la télé quand j'étais petite, même jamais en fait. On regardait exceptionnellement Blanche-Neige ou un Disney de temps en temps, mais du coup, bah forcément, La petite maison de la prairie, je suis passée à côté. Mais je me suis rattrapée après, rassurez-vous, mais La petite maison de la prairie, jamais. J'ai encore jamais regardé. Je pense que ça va être une ambiance un peu champêtre, une ambiance bon enfant, petite famille. C'est vraiment typiquement le genre de lecture parfaite pour l'hiver. Il y a des petites illustrations sympathiques, je pense que le style va être complètement accessible, hein. Même si vous lisez pas beaucoup en anglais, c'est vraiment très chou et je suis super contente de l'avoir trouvé. Et le tome 2, c'est Little House in the Prairie. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes qui sont sortis et c'est très très mignon. Je me rends compte que dans cette sélection-ci, c'est là où il y a le plus de livres en anglais. En fait, j'ai quand même acheté pas mal de livres ou reçu quelques livres en anglais récemment. Et c'est vrai que, bah, comme souvent ce sont des livres plutôt jeunesse ou des choses comme ça, bah, c'est plus facile à lire en anglais, je trouve. Et donc, voilà pourquoi il y a plus de livres en anglais dans cette première sélection, mais les autres sont en français. Je vous dirai quand c'est traduit ou pas. Donc, le prochain, ici, il s'agit d'un classique que j'aurais pu mettre dans la deuxième sélection, mais comme c'est un livre de Noël, je vais vous le montrer maintenant. Il s'agit de Christmas Carol. Si vous me suivez sur les vlogs, vous connaissez les circonstances de l'achat de ce livre. Je le lis dans le cadre d'une lecture commune, ce qui est un mot auquel je suis allergique, hein, parce que visiblement, ça ne se passe pas du tout très bien. Une lecture commune organisée par la youtubeuse Books and Things qui a organisé donc une lecture durant le mois de décembre jusqu'à Noël pour donc le conte de Noël de Charles Dickens. Alors je suis pas très loin du tout, c'est un livre que j'ai commencé et que j'ai oublié dans ma valise et du coup pendant 5-6 jours j'ai arrêté de le lire, du coup je suis à fond à la bourre, hein. Voilà clairement, donc j'aimerais bien me relancer dedans. On va rester avec les livres de Noël et un livre que j'ai très très envie de lire et que je vais commencer, hein. Je vais pas mentir non plus, je l'ai pas encore commencé, c'est
Christmas Pudding, en fait, hein, de Natti Mitford. C'est un livre qui a été écrit dans les années 30 par cette autrice anglaise. C'est une autrice qui est assez connue pour son livre La Poursuite de l'Amour. En tout cas, moi, c'est le livre que je connaissais de cette autrice, donc peut-être que c'est pas le plus connu, mais en tout cas, je crois que je l'ai, celui-là, d'ailleurs. C'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir, et je me dis, quoi de mieux qu'une lecture de Noël pour découvrir un humour visiblement très cynique, très british, vraiment un peu le genre de lecture que je recherche. J'aime énormément l'humour anglais, que ce soit dans les films, dans les séries et encore plus dans la littérature et dans la vie hein, aussi. Et je suis très très contente d'avoir ce petit livre publié chez 10-18 qui va réunir, je pense, des gens lors d'une fête de Noël et ils vont, je pense, se lancer pas mal de vannes. On nous dit que c'est un vaudeville, une légèreté cynique, le raffinement jusque dans la loufoquerie, un pragmatisme abrupt. Franchement, ça me donne super envie, donc forcément c'est ma lecture que je suis censée commencer cette semaine, donc je vais le mettre de côté. Alors un livre que je ne savais absolument pas où classer, mais je vais vous le montrer maintenant, c'est un petit recueil de poèmes écrit par Aurèle Laugier. C'est lui qui travaille notamment sur l'émission Caractère, qui est une émission qui est disponible sur Canal+. Et je vous avais montré un petit extrait dans un de mes vlogs. On a pu participer notamment avec Nadia, avec Floris. On a pu participer à 50 secondes de cette émission pour partager une lecture. C'était vraiment chouette. Et voilà, Aurèle a écrit en fait un livre qui s'appelle Barre de recherche. Alors c'est dans l'univers d'Internet. Il a fait tous des poèmes. Je trouve ça hyper original, des poèmes autour du monde d'Internet. Genre, il y a La souris et son Mac, il y a Crypté, Chien, QR. Enfin, voilà, c'est vraiment un univers très novateur dans la poésie. Alors peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, mais je n'avais jamais lu de poésie aussi moderne qui parle d'Internet. Et donc ça, c'est une lecture que j'ai prévue dans le cadre d'un petit challenge que je vais me faire fin décembre, de lire 10 livres en 10 jours, un truc comme ça. Je n'ai pas encore décidé le nombre de jours, mais comme c'est assez court et ce sont des poèmes, j'ai très envie de le lire dans ce cadre-là. Bon, je l'ai mis là, mais peut-être qu'il va tuer des gens et que ce sera très glauque, hein, mais j'avais envie de le placer dans cette première partie. Ensuite, on va passer à une autre lecture, à une nouvelle romance. Il s'agit d'une romance victorienne qui visiblement n'a pas encore été traduite en français, en tout cas j'ai pas vu de traduction. Il s'agit d'un livre de Mimi Matthews qui est Holiday by Gaslight. Visiblement c'est un best-seller aux États-Unis. Moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que Darling Daisy en parle comme souvent. Et c'est en fait, j'ai pas regardé le résumé, je vous avoue, j'ai vraiment envie d'avoir la surprise, même si bon c'est une romance Isabelle, donc tu ne vas pas avoir beaucoup de surprises. Donc c'est une romance victorienne dans l'ambiance de Noël. J'ai super envie de lire ça juste après les fêtes, vous savez, vers le 26 décembre, c'est encore les fêtes, hein, mais juste après Noël. Je crois que je vais me faire un planning de lecture, c'est pas possible, il y a tellement de trucs que je me dis, je vais lire 3 jours avant Noël, je vais lire 5 jours après Noël, n'importe quoi. Mais en tout cas, il me tente pas mal et je pense que le style a l'air assez accessible puisque j'ai lu une page pour tester et bah oui, ça a l'air assez accessible. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la couverture est trop belle. Ils sont quand même doués, les Américains. Alors, je veux faire le focus, mais c'est appuyé sur la caméra, Isabelle, pas sur le livre. Et alors un autre livre, j'aurais dû le mettre plus bas dans la sélection, il s'agit de Emily of New Moon de Lucy Maud Montgomery. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, j'ai très envie de me replonger dans la saga de Anne de Green Gables. J'avais lu ça quand j'étais vraiment très très jeune, mais j'ai un peu oublié l'histoire. J'ai vu la série l'année dernière, mais je pense qu'il y a quand même certaines différences. Et j'ai vraiment envie de lire cette version de Toussaint l'Ouverture que j'ai achetée en français dans cette magnifique collection. Mais j'ai pas envie d'être déçue et j'ai envie de lire en dernier. Parce que j'ai tellement d'attentes pour cette relecture que je veux attendre et je veux lire d'autres livres de l'autrice. Et donc celui-là, il me tente beaucoup. J'hésitais aussi avec The Golden Road. Je crois qu'ils ont appelé ça La Route Dorée, j'en suis pas sûre qu'ils l'ont traduit comme ça, mais ça existe en français. Mais j'avais envie de découvrir l'histoire de Emily of New Moon. En plus, c'est une histoire qui ressemble un petit peu à l'univers de Anne. Ça va nous parler d'une petite fille, Emily, qui vient de perdre son père et qui va être confiée à la famille de sa mère. Et visiblement, cette famille n'a pas très envie de l'accueillir. Donc, ils vont la mettre chez une tante et elle va rencontrer ses cousins, etc. Je sais pas trop, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Anne. Et ça a l'air très très beau et enfin voilà, j'en ai entendu
entendu du bien. Je suis pas sûre qu'il ait traduit en français celui-là. Ensuite, un livre qui, j'en suis sûre, est traduit en français, c'est Pages & Co. que j'ai trouvé dans un magasin de seconde main, complètement par hasard en fait. Il était dans ma wishlist en français. J'avais envie de l'avoir en français, mais j'avais jamais envie de payer 15 euros pour un livre que j'étais pas sûre d'apprécier. En fait, c'est une histoire qui me tente beaucoup et j'attendais de le trouver en seconde main. Et là, franchement, j'ai flashé sur cette couverture. Je l'ai pris en VO, tant pis. Il s'agit de l'histoire de cette jeune fille qui s'est voyagée en fait dans les livres. Je veux pas en savoir plus. Le seul hic, c'est que je me suis rendu compte trop tard que c'était un tome 2. En fait, c'est écrit nulle part. Vous allez voir enfin, franchement, la couverture est magnifique. C'est juste quand tu lis le résumé, tu te rends compte qu'en fait, la fille, elle a déjà vécu des histoires. Et on nous dit, bah en fait, est-ce que tu veux aller suivre les premières aventures de Tilly? Et oui, j'aimerais bien, mais on m'avait pas prévenu que c'était ses deux dernières aventures. Donc le livre est rouge, le premier tome est rouge. Et le premier tome s'appelle Tilly and the Book Wanderers. Et en fait, il est sorti en français hein, pour le coup. Mais je pense que je vais le prendre en anglais si je le trouve en seconde main. Voilà, parce que c'est un peu bizarre d'avoir le livre en français puis en anglais, enfin, c'est pas très important, mais j'aime bien que ma bibliothèque soit bien rangée par langue quand même. Ensuite, ah celui-là il est en français, c'est un livre que m'a passé mon amie Céline parce que je vous laisse débarrasser de livres. Il s'agit de Cœur de loup, c'est aussi un livre parfait pour l'hiver. C'est de Catherine Rundel, c'est un Gallimard jeunesse. Celui-là je l'ai mis assez, parce qu'il reste plus que deux livres, là je l'ai mis assez loin dans l'échelle du glauque version jeunesse parce que je sais que c'est une histoire un peu triste qui nous parle de l'histoire de Féodora qui a grandi parmi les loups. Et elle est censée devenir maître loup comme sa mère et sa mère va être prisonnière, elle va partir à sa recherche. Ça a l'air vraiment chouette et ils disent que c'est une héroïne fougueuse et à l'âme sauvage. Ça ne veut rien dire, hein. Ça ne nous donne pas du tout l'idée de ce que ça va être. C'était Philippe Pullman qui disait qu'elle réussit tes mouvements original et merveilleux, ben, on va le croire. Hein. Mais est-ce que vraiment les auteurs... Est-ce qu'ils disent vraiment ça? Parce que Stephen King, par exemple, sur tous les thrillers, il dit que c'est génial. Mais est-ce qu'il lit vraiment tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air très beau. Et je pense que Céline m'avait dit que c'était vraiment une belle histoire. Donc, ça me tente bien. Je ne suis pas sûre de le lire cette année. Par contre, c'est un petit livre illustré. C'est chouette. Donc, voilà. Et les deux derniers. L'avant-dernier, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en avant-dernier. Il s'agit de Aggie Morton, Mystery Queen, Peril at Oak Park. Je vais tout de suite regarder s'il a été traduit en français, mais je ne suis pas certaine qu'il soit déjà traduit en français. Je vous le note ici, ça me fait du travail après. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bon, je vous le note ici s'il a été traduit, mais je pense que non. C'est parce que je l'avais cherché. En fait, c'est une histoire inspirée de la vie de Agatha Christie. Donc on va suivre donc l'histoire de Aggie. Qui vient de résoudre un petit meurtre et je sais pas pourquoi je le rends tout petit, c'est parce que c'est dans la première catégorie, du coup je me dis que le meurtre doit être mignon, n'importe quoi. Et donc elle va passer des vacances dans un manoir de famille, elle va découvrir au pied du sapin, en tout cas en cadeau de Noël, elle va découvrir un cadavre. Et donc elle va faire une petite enquête, ça a l'air vraiment super chouette. Elle va être aidée de son ami Hector Perrault, bon j'imagine que Hercule Poirot ou Hector Perrault, c'est en plus un ami belge, donc voilà. Bah écoutez, moi ça me tente beaucoup dans l'univers d'Agatha Christie, mais version peut-être un peu fantastique, je ne sais pas. C'est en anglais, je ne sais pas si je vais le lire cette année, mais comme tous les livres, on verra. Hein. Et alors, le dernier, et alors, mais quel bonheur, c'est un livre qui n'est pas encore sorti en français pour le coup. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes anglophones, les gens le montraient, mais parfois je mets des vidéos en fond sonore, du coup je ne fais pas forcément attention, je suis occupée à autre chose, et je vois passer ce livre, effectivement, je le trouve très beau, mais je prends pas le temps d'écouter vraiment ce qu'on dit sur le livre. Et en fait, j'ai regardé une vidéo d'Alexandra, quelque chose, je ne sais jamais les noms des chaînes YouTube. Elle en a parlé, elle a fait le résumé et je me suis dit, mais il y a un nom, il y a un mot que je connais. Enfin, il y a un nom que je connais surtout. En fait, c'est l'histoire, parce qu'il n'y a pas de résumé ici, je pense qu'on nous dit. Je vais vous montrer la couverture après, vous allez voir. Ouh, c'est trop beau. C'est pour ça que je suis habillée en bleu, vous allez voir. C'est pour ce livre. Donc en fait, ça se passe à Nottingham dans les années 1906. On va suivre Marietta. Déjà, Marietta, Marie, il y a déjà un personnage commun avec ce que vous allez voir. Elle veut être ballerine, mais malheureusement, elle ne va peut-être pas pouvoir être ballerine parce qu'elle est censée épouser quelqu'un de la haute société à New York. Et un jour, un créateur de jouets, Monsieur Drosselmeyer,
arrive et va changer sa vie, hein, clairement. Mes traductions anglaises en français sont savoureuses, sont vraiment nulles. Bref, je veux pas en savoir plus, en fait, je veux pas lire plus loin. Tout d'un coup, j'ai entendu parler cette jeune fille. Oui, monsieur Drosselmeyer. Quoi? Mais c'est Casse-Noisette? Et en fait, c'est une réécriture de Casse-Noisette. Je suis aux anges parce que j'avais jamais vu qu'il y avait des réécritures de Casse-Noisette. Casse-Noisette, c'est une histoire que je lis chaque année, que je fais écouter aussi à mes élèves chaque année. C'est une histoire que j'en peux plus, hein, clairement, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup et je suis très heureuse de savoir qu'il y a une réécriture du conte de Casse-Noisette, enfin de l'histoire plutôt de Casse-Noisette, sachant que moi je... J'adore les réécritures de contes, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et particulièrement les contes qui sont un peu moins connus, des contes qui me... Les réécritures d'histoires pour enfants, j'aime beaucoup ça. J'aime pas trop Autour de la Belle et la Bête ou ce genre de choses, j'aime bien quand c'est des contes que j'aime bien en fait, c'est malin, Isabelle. Quand c'est des histoires de masse que j'aime bien les réécritures de ces contes-là. Par exemple La Petite Sirène, j'aime beaucoup et j'aime bien les réécritures de La Petite Sirène, voilà. Ça a l'air trop trop bien, Sarah Morgan dit que c'est le parfait conte... Le parfait conte pour l'hiver. Stéphanie Garber dit que c'est ensorcelant, que c'est incroyable. Et alors, à l'intérieur, on aime bien enlever la jaquette, on aime bien déshabiller les livres ici, et le dos est super beau, mais je vais laisser la jaquette. Oh, je suis trop contente. Bon, par contre, j'aime pas trop, je vais faire ma chieuse, ma difficile, j'aime pas trop quand les livres sont durs comme ça, parce que j'ai tendance à les abîmer, le truc, j'ai tendance à le déchirer. J'aurais bien voulu l'avoir en moins cher, du coup, et en format mou, format papier. C'est paperback, à mon avis, et j'aurais bien voulu l'avoir comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas... C'est pas pratique en fait, hein. Les livres s'abîment, mais bon, on va pas cracher dessus, il est magnifique, voilà. C'est tout pour cette première partie de vidéo, et on se retrouve tout de suite pour des livres... potentiellement un peu plus glauque, des livres plutôt classiques et quelques livres de fantasy également. On se retrouve tout de suite. Cette deuxième sélection, j'ai décidé de vous présenter pas mal de classiques, pas mal de livres un petit peu plus sérieux. On va dire que la première catégorie, même si ça ne veut rien dire, hein, je suis bien d'accord, j'ai aussi décidé de mettre quelques livres de fantasy que j'ai achetés dernièrement. Cette sélection donc peut contenir éventuellement plus de scènes un peu plus trash dans les classiques, j'en sais rien en fait, vu que je les ai pas lus, il y a peut-être des morts un peu tragiques. J'ai essayé de faire ça graduellement, mais je sais pas ce qu'il en est. Surtout les livres de fantasy, je sais qu'il y a parfois des trucs un peu, des tortures et des choses comme ça, donc je ne sais pas trop, hein, mais j'essaie de faire un petit classement à ma manière, et je vais commencer par A Poem for Every Autumn Day. C'est un livre que j'ai acheté fin octobre, fin novembre, je ne sais plus, bref, l'automne avait bien commencé, donc ça devait être bien mi-novembre, et j'ai décidé d'acheter ce livre-là que j'ai vu sur une chaîne anglophone de nouveau. Je crois que c'est le seul livre anglais de cette sélection, par contre. Il n'est pas sorti en français, je ne l'ai jamais vu en français en tout cas, et c'est un livre qui va recenser toute une série de poèmes, et il y a un poème par jour, c'est le titre, hein. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, un poème par jour pendant l'automne. Écoutez, moi je passais un bon moment quand je les ai lus, parce que forcément au bout d'un moment j'étais déjà dans l'ambiance de l'hiver, donc j'ai décidé de le laisser un petit peu de côté, mais j'ai commencé, je peux vous dire en fait, je me suis arrêtée au 16 novembre, voilà, je me suis arrêtée au 16 novembre, j'ai donc passé quelques
quelques jours à lire ces poèmes. Il y en a quelques-uns qui étaient quand même un peu plus ardus au niveau du style, parce que mon niveau d'anglais n'est pas exceptionnel, hein. Je vous montre des livres en anglais, mais rappelez-vous, ce sont des livres plutôt jeunesse, donc c'est vrai que quand je lis des livres plutôt adultes, et même fantasy, ou des classiques, ou des choses comme ça, ben, en fait, c'est très rare que je les lise en anglais, parce que le niveau est quand même beaucoup plus poussé, et donc oui, il y a certains poèmes, j'avais un petit peu du mal à tout comprendre, et donc bon, voilà, il y a un petit peu de tout, parfois il y a même plusieurs poèmes par jour, donc voilà, si ça vous intéresse, on sait jamais. Je reprendrai certainement l'année prochaine, hein, parce que là nous sommes en hiver, enfin non pas encore, mais bref, on est dans l'ambiance de l'hiver, donc je pense que je vais pas reprendre cette lecture. Ensuite, j'ai mis un livre qui est pas du tout glauque, hein, mais justement, c'est un livre que j'ai également reçu d'Annabelle, je te fais de gros bisous, il s'agit de Je chemine avec Nancy Houston, qui est un livre en fait qui va nous partager quelques anecdotes sur l'autrice Nancy Houston. Je vous en ai déjà parlé, un de mes livres préférés c'est Ligne de faille, écrit par Nancy Houston, et j'aime énormément ce personnage de Nancy Houston, à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est toujours pour dire des choses qui me touchent. Je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez engagé dans le féminisme. C'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Et en fait, on lui pose des questions. Hein. C'est une interview. Pas de vie sans musique, enfin vous voyez, il y a pas mal de thématiques qui sont abordées, on va parler de son hypersensibilité, on va parler de son histoire de famille, on va parler de son enseignement parce qu'elle est prof d'anglais, visiblement. Voilà, on va parler vraiment de Nancy Houston et je pense que ça va être hyper intéressant. Maintenant, je sais pas si je peux le lire tout de suite parce que peut-être qu'il spoil un petit peu des livres que je n'ai pas lus. J'ai très envie de lire Prodige, notamment, qui va parler d'une jeune pianiste et je sais qu'à un moment, on parle de Prodige dans ce livre-là, donc j'ai peur que ça me spoil un peu, donc je vais peut-être lire un ou deux autres livres de Nancy Houston avant de me lancer là-dedans. Je me suis lancée dans une coiffure qui sent ça de malin, ça tient pas. Ensuite, on va rentrer dans quelque chose de plus rien du tout, j'en sais rien, vu que j'ai pas lu les résumés. Il s'agit de deux romans de Daphné du Maurier. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, ce book haul en fait contient plusieurs mois d'achat et de réception livresque. Ça date depuis le dernier book haul et même avant, parce qu'il y a des livres que je vous avais pas présentés dans le dernier book haul. Donc je ne sais pas vous dire... comment dire, à partir de quand date ce book haul. Voilà, donc il y a beaucoup de livres, clairement, mais c'est sur plusieurs mois, hein. Voilà. Et il y a énormément de livres aussi qui sont en seconde main, notamment ceux-là que j'ai trouvé dans des pêle-mêles. Il y a Les Oiseaux de Daphné du Maurier, qui est un recueil de nouvelles que j'avais très envie de lire depuis que j'ai lu Ma cousine Rachel, qui a été une petite pépite de lecture cette année. On a Encore un baiser, Le pommier, enfin voilà, c'est un recueil de nouvelles. Et un autre recueil, ah quoique c'est, non, je crois que c'est un roman, c'est La chaîne d'amour. Je connais pas du tout le résumé, je sais pas du tout ce que ça va donner et je perds des pages, voilà. Voilà, je vais les remettre dedans, je sais pas, voilà. Donc ça c'est du Daphné du Maurier que j'avais envie de découvrir. Je les ai trouvés quoi, 1 ou 2 euros, je sais pas le mail, je suis très très contente. Ensuite, j'ai fait une petite pile de livres plutôt tout à fait classiques. Le premier, par exemple, il s'agit d'un autre livre de Robert Marguerite, parce que si vous me suivez depuis un moment, peut-être que vous avez suivi que j'ai lu Le Château des Bois Noirs de Robert Marguerite, qui a été une excellente lecture que j'ai vraiment adorée. Et il a écrit un livre qui s'appelle La Terre aux Loups, et l'une d'entre vous m'avait dit « Oui Isabelle, si tu as aimé Le Château des Bois Noirs, tu vas adorer celui-là, parce qu'on utilise un petit peu le même style de sujet, c'est vraiment les mêmes sujets qui sont abordés, mais de manière beaucoup plus approfondie. » Comment vous dire, ça m'a donné envie et je l'ai pris en neuf, hein. Je l'avais commandé dans une librairie et c'est La Terre aux Loups, donc de Robert Marguerite, publié chez Libretto. J'ai pas trop envie pour le coup de lire le résumé, donc ça ne sert à rien ce book haul, hein. si je vous promets, je vous lirai des résumés quand même pour d'autres livres, je vous dirai des résumés. Je pense que ça va être de nouveau une histoire assez passionnée avec des descriptions de personnages hyper intéressantes, enfin voilà, j'ai hâte de découvrir celui-là. Un livre que je cherchais, mais que je cherchais pendant longtemps et toujours lors de cette commande Momox, je l'ai trouvé, je suis super contente. Il s'agit d'un livre de Charlotte Perkins Gilman. J'ai eu un petit quand même coup de cœur. Sur le moment, je vous avais pas parlé de coup de cœur, mais maintenant je pense souvent à cette lecture et j'avais vraiment envie de découvrir un autre livre de cette autrice. J'avais donc eu un coup de cœur, je sais plus où est le début de ma phrase, je ne sais plus comment elle a commencé, bref, je crois que ça a commencé comme ça. J'avais eu un presque coup de cœur pour un livre de Charlotte Perkins Gilman qui était La Séquestrée, ou parfois traduit le
papier peint jaune, puisqu'en anglais c'est de yellow wallpaper, qui est un livre qui va nous parler d'une jeune femme qui est dépressive en fait, sauf qu'à cette époque, la dépression a été soignée de manière problématique, hein, puisqu'on enfermait les personnes, souvent des femmes, on les enfermait, on leur empêchait de faire quoi que ce soit, et donc dans la séquestrée, on a cette héroïne qui est toute seule dans sa chambre, qui ne peut rien faire, voilà. Et j'ai lu la petite biographie qu'il y avait dans ce livre, de Charlotte Perkins Gilman, et ça m'a donné envie de lire un autre livre d'elle, et donc j'ai enfin trouvé Herland de Charlotte Perkins Gilman. Alors il est pas connu du tout, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je pense qu'on est vraiment sur un livre un peu utopique, puisqu'on va parler de trois Américains qui vont découvrir un peuple avec que des femmes. Et c'est Herland, voilà, ils disent que c'est une utopie féministe, une des plus réussies jamais écrites, et c'est paru en 1915. Écoutez, ça me tente énormément, c'est un roman culte du féminisme américain à découvrir absolument, et moi j'avais jamais entendu parler de ce livre jusqu'à ce que je lise La Séquestrée, et franchement ça me tente de fou. Ça a l'air vraiment chouette, c'était pas français, hein, je sais bien, j'en suis bien consciente. Ensuite, un livre dont j'ai jamais entendu parler, ça fait partie d'une des 2-3 sorties pêle-mêle du mois d'octobre, je pense, octobre, novembre, je ne sais plus. J'avais été chez Pelmet, j'étais restée presque 2 heures dans le magasin pour arpenter tout le rayon classique, en fait, qui est, faut le dire, pas hyper bien rangé. Et du coup, bah, c'est le bonheur parce que je trouve des trucs auxquels je m'attendais pas. Et alors ici, c'était dans la littérature plutôt allemande que j'ai découvert, ou danoise, je ne sais plus. C'est Ida Brandt, de Hermann Bang. Je l'ai pris dans mes mains quand je l'ai vu, tout simplement parce que c'est libretto et je commence à avoir vraiment une passion pour les éditions libretto. Je trouve que les textes sont toujours très bien écrits, bien traduits, les préfaces ne spoilent pas tout, elles sont hyper intéressantes, on parle vraiment bien des auteurs, ça donne super envie et franchement j'ai une passion pour cette maison d'édition. Et ici on va suivre l'histoire d'Ida Brandt qui est une de ces jeunes filles trop discrètes que l'on met facilement de côté. Et en fait on dit qu'elle peine à trouver sa place dans la société. La société danoise, du coup, c'est un livre danois. 1896, voilà, c'est la date de publication. On est vraiment dans les mêmes, c'est un peu avant, mais dans les mêmes époques, ce genre d'héroïne passionnée, peut-être, je ne sais pas. Franchement, ça me tente beaucoup, surtout la littérature danoise. Moi, j'en ai presque jamais lu. Ensuite, un livre que j'ai acheté, puisque c'est la lecture du mois de décembre. Je peux encore le lire, oui, de Charlotte Parlotte, et c'est en plus une autrice que je rêve de lire, et d'ailleurs c'est dans mes objectifs de 2021, c'est de lire Edith Wharton, voilà. C'est derrière cette autrice, c'est vraiment un objectif que je me suis fait durant le mois de décembre et j'en ai plusieurs dans ma pile à lire. Mais quand j'ai vu que Charlotte Parlotte avait mis celui-là, avait fait voter pour celui-là, pour lequel j'ai voté aussi d'ailleurs, je me suis dit ok, c'est l'occasion, je vais peut-être pas le lire au bon moment parce que moi les lectures communes, j'ai un souci avec la lecture commune, mais je sais que j'ai super envie du coup de découvrir Edith Wharton avec Ethan Frome, qui est un livre qui va te parler d'Ethan. Enchanté, qui est un jeune homme pauvre qui aime les livres et qui rêve de voyage. On dit qu'il a hérité d'une ferme et d'une scierie et il a épousé une vieille cousine hypochondriaque. J'adore les personnages hypochondriaques dans la littérature. Et il va tomber amoureux. Alors, est-ce qu'il va tomber amoureux de sa cousine hypochondriaque? Je ne pense pas, mais mais bon, on verra. Écoutez, ça a l'air très très beau et je pense que ça peut être, ça peut finir en drame, hein, ce genre de lecture. Je l'ai trouvé aussi chez Pelmel à 3 euros. Il y a une petite trace là. Je ne sais jamais ce que c'est, les petites taches là. Alors, une autre maison d'édition et collection que j'aime particulièrement, c'est la collection Pavillon Poche de chez Robert Laffont. Je trouve que c'est toujours, enfin, il y a souvent des très beaux titres et c'est un livre de Graham Greene. Ça fait aussi longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur. Je ne savais pas par quoi commencer. Je vois qu'il n'a pas bonne presse sur Livre Addict, mais c'est quand même un auteur dont on parle, enfin, dont j'avais déjà entendu parler, est quand même assez connu. Et je suis tombée par hasard sur La fin d'une liaison. Ici, on est en 1939 à suivre Sarah et Henri qui vont vivre une histoire d'amour qui va s'achever brutalement. Puisque un obus va frapper la maison londonienne dans laquelle ils ont l'habitude de se retrouver. Sarah, elle pense que son amant est mort et elle va s'enfuir, mettant fin à leur histoire. Ben, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que c'est du drame, hein. Clairement, on est dans du drame, peut-être sanglant, qui sait. Ensuite, un classique que j'avais très envie de découvrir. Alors, j'avais envie de l'acheter, moi, dans les éditions, la collection Cranford.
Mais bon, enfin, c'est tellement compliqué en Belgique de trouver ces éditions. J'allais pas de nouveau demander à quelqu'un de très gentil de m'envoyer ces éditions. Et du coup, je l'ai trouvé par hasard également à 2 euros dans cette édition que je trouve trop jolie. C'est Le professeur de Charles Bronté. Alors, c'est un livre dont je ne connais rien. J'avais peut-être entendu parler que c'était une histoire, potentiellement une histoire d'amour entre une jeune femme et son professeur, mais je sais pas. J'ai un peu du mal, hein, avec les romances qui impliquent des professeurs, étant professeur moi-même, ça me met très mal à l'aise, alors que c'est le genre de truc que je lisais quand j'étais plus jeune, j'adorais, je kiffais trop ce truc, mais là maintenant, je ne sais pas, depuis que je suis prof, j'aime pas trop lire ça. C'est un livre qui est pas très connu, je trouve, j'en entends pas souvent parler de Charlotte Brontë, mais ce serait pas forcément partie de mes prochaines lectures, mais je suis super contente de l'avoir trouvé et... on va voir, hein. Mais j'aime beaucoup ces éditions, je les trouve vraiment très très belles, ce genre d'édition qu'on trouve pas facilement. Ils disent que c'est imprimé en Suisse et c'est un livre qui est un peu, vous voyez, qui est pas bien net au niveau de ses coupures. Alors je sais pas très bien parler des livres, mais je trouve ça trop chouette. Là, ça a l'air hyper agréable à lire. J'ai trouvé un livre aussi, enfin je les ai pas trouvés par terre, hein. La plupart viennent de chez Pêle-mêle. À 2,50, j'ai trouvé de nouveau un pavillon poche. Il s'agit de Saki, l'insupportable Bassington. Il paraît que c'est en classique aussi, mais comme je suis une quiche en culture générale, je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est un livre. Ils nous disent qu'il faut absolument lire ce livre. En même temps, ils vont pas nous dire de pas le lire, hein, forcément. On dit en fait que pour mieux savourer l'humour désopilant des nouvelles de Saki, il faut commencer par lire son roman, qui est donc celui-ci. Et il y a quatre nouvelles qui suivent ce roman. On nous dit que c'est de Roald Dahl, je sais jamais comment on dit ce nom, mais enfin vous avez compris, c'est Roald Dahl, à Maurice Barrin et de Graham Greene, voilà, à Evelyn Waugh, je sais pas comment on dit non plus, mais c'est aussi une autrice hyper connue, voilà, que je pense pas avoir dans ma bibliothèque, mais qui me tente beaucoup aussi, malheureusement. Je dis malheureusement parce que mes listes sont à rallonge. Les meilleurs écrivains ont salué ce roman d'un enfant terrible comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise du XXe siècle. Le vrai nom de cet auteur, c'est Hector Hugh Munro. Ce nom me dit quelque chose. C'est un auteur qu'on appelle Saki et qui est né en Birmanie dans les années 70, 1870, j'aurais précisé quand même. Ensuite, un livre qui était dans ma pile à lire de décembre, mais si vous ne l'avez pas vu, le voici, c'est Père de Elisabeth von Arnim, qui est une autrice que j'ai également très envie de découvrir. Est-ce que je dois continuer à dire ça à chaque fois? C'est une autrice qui va nous parler ici d'une jeune femme qui s'occupe de son père acariâtre, qui est malade, qui est visiblement en fin de vie. Et je ne sais pas, j'imagine qu'on va parler de cette relation difficile entre cette jeune femme et son père qui est complètement tyrannique. J'ai hâte, franchement. On nous parle ici d'une d'émancipation d'une jeune femme qui s'ouvre enfin à la vie. Une emprise psychologique d'un personnage sur un autre, j'aime bien ce genre d'histoire. Pas dans la vraie vie, rassurez-vous, dans les livres. Alors, on va passer à quatre livres que je ne sais pas trop où classer dans cette sélection. Le premier, c'est Les reflets d'argent de Suzanne Fletcher. Alors c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, je le trouvais jamais en seconde main. Et ce jour-là où j'ai passé 2 heures chez Pêle-mêle, ben, je l'ai trouvé forcément. Il était, vous savez, derrière, là où on va jamais, ben, il était là, voilà. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Donc on est sur l'île de Parla, donc ici c'est plus un roman contemporain. On va suivre plusieurs familles qui vivent sur une île où il n'y a pas grand-chose à faire. On va parler d'un homme poisson. Ok, je vais pas lire le résumé, c'est une catastrophe, je pourrais pas vous résumer ce résumé, je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que quelqu'un en a parlé, ça doit être Sarah de nouveau, je sais pas, quelqu'un qui parle bien des livres, ou peut-être Margot, je sais plus, quelqu'un qui en a superbement parlé, et qui forcément me l'a mis dans ma wishlist, donc voilà. Ensuite, j'ai mis, alors je sais pas ce qu'il fout à ce niveau-là de ce book-haul, hein, parce que il n'est pas du tout glauque ce livre. Il s'agit de, bah, les autres non plus, mais je veux dire, il aurait dû être un peu plus bas. C'est La tresse de ma grand-mère de Alina Bronski. Alors c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà lu, qui était dans un, peut-être pas encore un point lecture, mais en tout cas dans un vlog, certainement. C'est un livre que j'avais reçu des éditions Actes Sud. C'est un livre allemand, traduit l'allemand par Elisabeth.
Isabelle Libère, qui va nous parler d'une petite famille, un petit garçon âgé de 6 ans, Max, et ses grands-parents. Ils vivent donc en Allemagne et ils viennent d'arriver en Allemagne, et on va voir en fait les relations très particulières entre cette grand-mère et ce petit-fils, puisque cette grand-mère surprotège son enfant. Elle le surprotège tellement qu'elle en devient hyper toxique, en fait, il peut rien faire de sa vie. C'est un peu une satire de ces histoires folkloriques russes. Voilà, je sais pas comment vous en parler d'autre. Je l'ai fini hein, ce livre, mais je vous avais dit que j'avais besoin d'un peu de temps pour le digérer. Mais visiblement, la digestion est longue parce que je sais toujours pas bien vous en parler. Je vous en ai parlé dans un vlog à chaud, mais sans doute que je le mettrai dans un point lecture parce que c'est vraiment une lecture très particulière avec un humour très, très spécial. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans cette sélection? Ah oui, un petit policier. Alors, je pense pas que c'est glauque, hein, mais je l'ai glissé là-dedans. Je crois que ça doit être fin septembre, début octobre, que j'avais trouvé ça chez Pêle-mêle. Les Dames de Marlowe de Robert Thorogood, Mort contre triple. Du temps où j'avais envie de lire du cosy mystery, qui est quand même un style littéraire, un genre littéraire plutôt, qui a beaucoup de succès. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui lisent du cosy mystery. Et c'est vrai que je peux comprendre en fait, parce que le cosy mystery, il y a ce côté enquête, donc suspense, sans le côté glauque. Donc le but du cosy mystery, c'est quand même de le mettre dans une chouette petite ambiance, de préférence anglaise, avec des petits secrets de famille, des petits secrets de village où tout le monde se connaît, et on a ce petit suspense d'une enquête. Et c'est vrai que je comprends que pour tous les gens qui n'aiment pas le glauque, ben, le cosy mystery c'est cool parce qu'on a une enquête. Maintenant, je sais pas si, je généralise peut-être, mais je sais pas si tous les cosy mystery sont bien faits au niveau de l'enquête. Mais bon, je suis un peu difficile, je l'avoue, comme j'ai quand même beaucoup d'enquêtes. Et donc ici, j'avais très envie de le lire suite à la recommandation de Steph de Piketty qui disait que c'était super drôle, c'était des petites mamies qui enquêtaient sur un meurtre, je trouve ça trop chouette. Donc on va suivre l'histoire de Judith Pott qui a 77 ans et elle vit sa vie, ben voilà, elle boit trop de whisky, elle se baigne toute nue dans la Tamise, bah écoutez, moi ça me tente trop. Et un soir, elle entend provenir dans la maison de son voisin un cri suivi d'un coup de feu et donc elle va enquêter forcément sur cette mort puisque c'est normal. C'est normal, on a envie de savoir et donc elle va demander à d'autres jeunes personnes d'enquêter avec elle, ça va être trop trop bien. Mais écoutez, ça c'est vraiment un cosy mystery qui me tente beaucoup. Moi j'avais commencé Meurtre et pépites de chocolat et je pense que j'aimais bien ce que je lisais, je l'ai laissé un peu de côté parce que je pense que j'avais envie d'un truc glauque ou autre chose, j'avais envie de quelque chose d'autre. Donc je l'avais laissé de côté mais souvent hein, je commence des livres, je les laisse de côté et ça veut pas dire que c'est nul ou que j'aime pas. Ensuite, chez Momox, toujours la même commande, j'avais commandé Fragile serment de Molly Kin avec une petite tache tout à fait suspecte. C'est pour ça qu'il est assez haut dans le glauque, parce que peut-être que cette tache cache une histoire complètement sordide d'une famille et voilà, ils se sont débarrassés des livres parce qu'il y a eu un meurtre et que tous les livres ont été aspergés de sang, je ne sais pas. Oh, j'espère que c'est pas ça, c'est dégueulasse. Bon bref, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est maman de 3 enfants, il me semble, et un de ses fils est parti pendant longtemps pour se faire soigner puisqu'il est atteint de troubles psychiatriques, mais on ne sait pas trop lesquels, je ne sais pas trop ce que ça va être. Et en fait, elle attend son fils et c'est ça en fait, on est ici dans l'attente de son fils. Je sais plus ou moins vous le résumer parce que je l'ai commencé, je suis à la page 35. Je vous avoue, j'ai un peu du mal avec le style, j'ai vraiment du mal à m'accrocher à ce style. Il faudrait que je le reprenne un petit peu parce que là j'ai lu quoi 35 pages, donc bah oui, je sais pas encore dire si ça va être une bonne ou une mauvaise lecture, mais j'ai du mal avec ce style, donc il faudrait vraiment que je me relance dedans. Ensuite, on va un petit peu monter. Ah oui, il y a ces livres-là, alors j'ai oublié de vous les montrer, du coup je vous les montre maintenant. Il s'agit des tomes 1 et 2, enfin de l'intégrale hein, de Notre-Dame de Paris dans la collection. Je crois qu'on peut les avoir via Le Soir, c'est ça? Oui, c'est ça, via le journal Le Soir. En fait, ils sont en train de sortir toutes les semaines, un peu du même style que les éditions Cranford, hein, c'est un peu la même chose, sauf qu'ici c'est via Le Soir. Et en fait, on peut acheter donc ces éditions des livres de Victor Hugo. Je pense qu'il y a vraiment l'intégrale des œuvres de Victor Hugo, du coup, ça me passionne forcément. C'est plutôt abordable pour un texte comme ça relié. Et je sais que dans ce texte, il n'y aura pas de problème de traduction, puisque c'est Victor Hugo. Donc je sais que ça va être une chouette édition. J'ai déjà feuilleté, c'est hyper agréable. Franchement, la police est vraiment bien agréable. Je vais passer à la petite sélection un petit peu fantasy imaginaire.
faire. Bon, le premier, c'est une réécriture de conte. Je pense que c'est la réécriture du conte des six cygnes des frères Grimm. Je confonds tout le temps le conte des six cygnes et des frères Grimm et le conte des douze princesses de Andersen. Je sais pas pourquoi, du coup, je les confonds tout le temps. Et en fait, ici, il s'agit d'une adaptation version féministe par Jessie Burton. J'avais très envie de le trouver en français. Et en fait, je l'ai trouvé en anglais et je pense qu'il est moins cher qu'en français. Donc, et comme c'est une réécriture de conte, je pense que ça va être super simple à lire. Il y a des jolies illustrations. C'est vraiment, ça me donne très très envie et c'est un conte version féministe, donc voilà, ça fait partie des livres que j'ai très envie de lire aussi en décembre. Je vais le rajouter dans la petite pile là de décembre. Une autre réécriture, et je pense pareil, oui, je crois que c'est les six cygnes également. Ah, je sais plus, non, ça c'est les douze princesses, ça c'est les six cygnes. À chaque fois, je me plante. Ici, c'est la réécriture des six cygnes, parce que je vois six cygnes sur la couverture, donc je pense que je me trompe pas, parce qu'ils le disent pas dans le résumé. C'est un livre d'une autrice anglaise. Alors, elle a un nom qui sonne français, mais en fait, c'est une autrice anglaise, visiblement. Oh non! Elle est quoi? Elle est née à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Bon, je ne savais pas, bon bref. C'est une autrice en fait dont j'entends beaucoup parler sur le YouTube anglophone, que ce soit les américaines, les anglaises, les australiennes, enfin bref, les anglophones. Et le YouTube francophone, jamais. Et une d'entre vous m'a dit que c'était traduit aussi en portugais, que ça avait pas mal de succès aussi. Et en fait, eh bien, moi ça me tente beaucoup. J'ai voulu me procurer la version en français de ce livre-là. Elle est sortie chez l'Atalante pour ceux qui le veulent. Moi je ne l'ai pas acheté juste pour des raisons financières. Moi je l'ai pris en VO parce qu'il était vraiment beaucoup moins cher. Il s'agit de Daughter of the Forest. Et je pense qu'ils ont vraiment traduit les filles de la forêt, quoi. Je pense que c'est ça. Et en fait, c'est une romance donc qui s'inspire du conte des six cygnes, qui est une romance qui est un petit peu celtique, qui rappelle les histoires des brumes d'Avalon notamment. Toujours dans les univers fantasy, etc. J'ai reçu, fin septembre, octobre, j'ai reçu Elantris de Brandon Sanderson qui faisait partie de ma happy list, ma petite liste de livres que je rêve de recevoir. Et en fait, c'est un des livres de Brandon Sanderson. Évidemment, j'ai du Brandon Sanderson, j'en ai toujours pas lu. Il paraît que c'est vraiment très très bien, que c'est hyper addictif, celui-là particulièrement. Je vais pas m'avancer dans un résumé. Moi, vraiment, les résumés des romans de fantasy, c'est vraiment compliqué, surtout quand tu les as pas lus. Déjà, quand tu les as lus, c'est compliqué, mais quand tu les as pas lus, franchement, c'est galère. Donc, je vais pas m'aventurer dans un résumé. Il paraît que vraiment que c'est une très très bonne histoire. Je pense que c'est un one-shot. Il y a une petite carte en couleur, ça c'est cool. Ah, c'est cool les cartes en couleur. Regardez, c'est cool ça. Ah mais franchement ça me tente beaucoup, mais bon, comme tout me tente, hein, mais voilà. Et le dernier livre de fantasy, c'est un livre qui me fait un petit peu peur. Alors maintenant j'ai l'impression que je vais l'avoir déjà présenté dans un book haul. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai l'impression d'avoir déjà trop parlé de ce livre pour que ce soit le premier book haul dans lequel j'en parle. Mais bon, c'est un livre qui me fait envie parce que j'en ai entendu du bien, comme quoi c'était vraiment un livre addictif. Et j'avais envie de redécouvrir Jennifer L. Armentrout, sachant que moi j'ai lu sa série Luxe, que j'ai trouvé très moyenne. Pas très mauvaise, mais très moyenne. J'avais lu ça en plus il y a des années où j'étais pas encore trop difficile au niveau de mes avis de lecture. Mais là, enfin, le temps a passé, donc je pense que si je relis Luxe, je vais détester, quoi, clairement. Mais je me suis dit qu'elle a quand même écrit ce livre des années plus tard, et donc peut-être que c'est tout autre chose. Je pense que l'histoire d'amour est assez importante dans ce livre, qu'elle est au sein d'un univers assez intéressant. Ils disent que c'est la meilleure romance 2020. Bon, les gars, j'espère que la romance n'est pas trop présente non plus. Mais je sais qu'il y a des moments où j'ai envie de lire des univers pas trop approfondis non plus, mais qui sont quand même intéressants, avec une petite romance. C'est parfois le genre de livre que j'aime bien lire, sinon je l'aurais pas acheté. Je suis un peu déçue parce que moi je l'ai trouvé en solide. J'aime pas trop. Moi, je fais partie des gens qui préfèrent les livres un peu plus faciles à transporter et à lire et à mettre dans son sac. Et celui-là, c'est une espèce de grosse pavasse. En plus, c'est plus cher. Enfin, non quoi. Mais bon, je voulais le trouver. Je l'ai trouvé chez Filigrane, je pense. Dans cette collection. Voilà, et alors les deux derniers de cette catégorie, parce que ce n'est pas fini, ça ne finit jamais ce book haul, j'ai mis Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que j'avais jamais lu, que j'ai trouvé, pareil, 1 euro, je crois.
1 euro chez pêle-mêle. C'est un livre donc aux éditions Libretto. J'ai jamais lu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et franchement, c'est un peu un classique. C'est un peu un livre qu'il faut avoir lu. Et le dernier que j'ai mis dans cette sélection, il s'agit d'un Yoko Ogawa. Que j'ai trouvé également chez pêle-mêle. Hein. Je crois, de toute façon, cette vidéo est sponsorisée par pêle-mêle. Par mon portefeuille. Donc il s'agit des instantanés d'ambre dont j'ai jamais entendu parler. C'est un livre donc de Yoko Ogawa. On va parler ici d'une maman qui va demander à ses parents, à ses enfants plutôt, de fuir leur maison et donc de s'installer. Ils vont s'installer à l'écart de la vie en société et va leur demander d'oublier leur prénom et d'en choisir un autre. Je l'ai mis assez haut dans le glauque parce que... c'est pas glauque hein, du tout, hein. On n'est pas encore à la sélection suivante, mais chez Yoko Ogawa, il y a quand même une espèce de poésie lugubre. Et ouais, alors pas tout le temps, mais dans les nouvelles que j'ai pu lire, toutes les nouvelles que j'ai pu lire, il y en a toujours au moins les deux tiers, c'est un truc un peu dérangeant. Alors ici, je ne sais pas si c'est le cas, surtout qu'ici c'est un roman, j'ai encore jamais lu de roman de Yoko Ogawa, j'ai lu que des nouvelles. Ça m'intrigue beaucoup. En même temps, on a un petit ballon avec une tache de sang, donc... qui sait ce qui a pu se passer, ça me tente vraiment pas mal. Voilà, je vais vous laisser pour cette catégorie et je vous retrouve tout de suite pour le moment de cette vidéo. Et voilà, nous sommes dans la dernière partie de ce book haul où je vais vous présenter les livres les plus glauques. Hein. Voilà. Le classement sera tout à fait approximatif hein, puisque je ne les ai pas encore lus. Mais le but de cette vidéo, c'était de me marrer. Hein. C'était de me faire plaisir à faire quelque chose d'un peu différent pour le classement des livres. Et donc je vais commencer avec Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Casey. Alors je n'ai pas vu moi le film avec Jack Nicholson. Et pour ça, je suis très très fan de Jack Nicholson, mais étant un peu chochotte, j'avais peur d'avoir peur, je pense que c'est ça. C'est un livre donc, qui est paru en 1962, je ne savais pas. Et on va plonger dans l'hôpital psychiatrique dans lequel l'infirmière en chef Ratchet règne en maître sur son service. Et un criminel va arriver à la prison et j'ai l'impression qu'on lui dit un truc qui est peut-être potentiellement spoilant, donc je vais arrêter. Donc on est dans un hôpital psychiatrique, donc avec toutes les joyeusetés qui s'y trouvent. Moi j'ai vu, c'est vrai, maintenant que je me rappelle, j'ai vu la série Ratchet, qui est pas mal du tout. C'est une série qui est sortie un moment, je pense, sur Netflix, qui parlait justement de ce personnage de Ratchet, et c'était sympa.
Franchement, j'avais bien aimé la série. C'était un peu déjanté, un peu glauque et tout ce qui va avec. Mais franchement, j'avais bien aimé. Ça, c'est Vol aussi Nani Coucou. C'était aussi une lecture de Charlotte Parlotte. Une des propositions de lecture. Mais comme d'habitude, hein, comme c'était une lecture commune, est-ce que je l'ai faite? Non. Et c'est là que le classement est quand même un peu difficile à faire, hein, il faut le dire. Je vais vous présenter Fiançailles de Chloé Hooper. Alors c'est un livre que j'ai découvert complètement par hasard. J'étais un peu intriguée par la couverture, je dois l'avouer. Et c'est un livre que je trouvais également chez Pêle-mêle à 3 €. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme, Liez Campbell, qui rêve de retourner dans son pays natal et qui, pour rembourser ses dettes, a pris l'habitude de rencontrer un homme avec lequel elle s'adonne à de petites fantaisies sexuelles pour lesquelles elle est payée, une forme donc de prostitution de luxe. Et visiblement, il y a quelque chose d'un peu malaisant dans cette relation, on va dire. Et un jour, il va lui proposer de venir plusieurs jours dans sa grande propriété. Et elle n'est pas très à l'aise à cette idée, mais elle sait qu'elle va se faire un max de thunes. Et comme elle a envie de retourner chez elle, c'est l'occasion ou jamais. Mais je pense qu'il va y avoir un meurtre. Voilà, on nous dit que c'est quand même, quand j'ai lu ça, je me suis dit, celui-là, il va sortir bientôt. C'est un thriller psychologique complexe qui s'inscrit dans la lignée de Jenner et de Rebecca. Mais je vous avais dit dans un vlog, en quoi est-ce que Jenner fait des choses coquinettes? Je me souviens pas qu'il y avait des passages comme ça. Peut-être que c'est dans l'ambiance, du coup, je ne sais pas, mais je trouvais ça drôle qu'on nous sorte du Jenner avec un résumé qui nous parle de trucs coquinous. Voilà. Et après, on nous dit que c'est puissamment érotique. Oh là 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 là. Voilà. Ensuite, on va parler de livres un petit peu plus sanglants. On va passer à Le dernier message de Nicolas Beuglet. Alors, c'est un livre que je suis super contente d'avoir. Je l'ai acheté genre 2 jours après sa sortie en poche. J'ai jamais lu Nicolas Beuglet. J'ai prévu de lire Le Cri pour le Cold Winter. Donc, pour le Black November. Est-ce que nous sommes le 14 décembre et que je n'ai toujours pas lu Le Cri? Bien sûr! Mais bon, je peux très bien lire encore Le Cri, hein, c'est pas interdit. Mais je sais pas si je vais commencer avec Le Cri ou avec celui-là, parce que franchement, on me l'a tellement bien vendu. Alors ici, on est à l'ouest de l'Écosse, donc on va se retrouver dans un monastère et on va découvrir qu'un pensionnaire vient d'y être retrouvé, assassiné, complètement mutilé. Ça commence à devenir intéressant cette vidéo. Et on va suivre l'inspectrice Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Voilà, visiblement le meurtre, grande sauvagerie, ça a l'air cool, trop chouette. Ensuite, L'étrangleur de Cutter Street, que j'ai trouvé, je pense, en seconde main. Je pense que je l'ai acheté suite à une série dont j'oublie tout le temps le nom. C'est parce que c'est pas une tellement bonne série, mais que je regarde. C'est l'Aliéniste, peut-être la saison 2? Non, c'est pas l'Aliéniste, c'est une autre série qui est pas fameuse non plus, donc je ne sais plus. Mais qui a repris en fait le pitch de départ de cet étrangleur de Campbell. De Cutter Street. Qu'est-ce que je fous à Campbell? Je ne sais pas. Mais on est dans les années 80, Londres de les années 80. On va suivre l'inspecteur Pitt de Scotland Yard. Et on va suivre également une jeune femme, Charlotte Ellison, qui va se mêler à cette enquête. On nous dit que c'est un Sherlock Holmes en jupon. Et elle dénoue son premier crime. Bah, merci de me dire qu'on le dénoue. Bah, heureusement qu'elle dénoue, cependant. Moi, ça me tente beaucoup. J'ai jamais découvert de Anne Perry et c'est le genre de livre que j'ai envie de lire et que je n'ai toujours pas fait parce que ben, j'ai 1 million de livres dans ma pile à lire. Tout simplement. Parce que c'est la meilleure excuse. Ensuite, j'ai un livre, je sais plus si je vous l'ai montré dans le dernier bookhaul. Je vous avoue, je n'ai pas été voir parce que ça devient compliqué. Les bookhauls sont très longs et donc ça devient compliqué. Donc, il y a Je suis la bise de Donato Carisi. Je ne sais plus du tout si je l'ai montré dans le dernier bookhaul. C'est donc le dernier Donato Carisi. Mais il me tente tellement parce qu'on va parler d'un tueur qui, en fait, qui va regarder ce qu'il y a dans nos déchets. C'est trop trop bien, mais quelle idée de fou! Et visiblement, c'est un tueur qui aurait pu exister parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, il veut aller buter quelqu'un et il va voir dans ses déchets. Bah oui, effectivement, dans les déchets, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations sur les gens. Et franchement, chapeau, parce que si j'étais un tueur en série, je pense que je reprendrais l'idée parce que c'est vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de le lire, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait. Si, je sais pourquoi, mais j'ai vraiment très très envie de le découvrir. Dans le cadre de mon calendrier de l'Avent avec mon amie Céline, j'ai reçu ce livre aussi qui est L'Empire des Chimères d'Antoine Chénas. On va se retrouver en 1983 dans un petit village qui a créé en fait un parc
un parc à thème inspiré d'un jeu de rôle. Et ce parc à thème, en fait, est tellement addictif et tellement bien fait que tous les jeunes, ils sont accros et ont envie de participer. Et en fait, il va y avoir un meurtre et visiblement, ce qui est réalité et ce qui est fiction vont un peu se mélanger. Et ça a l'air vraiment, vraiment très, très chouette. Et alors, on a quatre derniers livres. Et alors, je ne sais pas du tout les classer. Alors, j'ai fait une catastrophe. Ah, mais quelle horreur! Pourquoi ai-je fait ça? J'ai plié un livre. J'ai acheté ce livre et je l'ai plié parce que, bah, en fait, ce book haul, j'étais censée le filmer il y a une semaine et pour plein de raisons, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai mis tous mes livres dans des sacs et j'ai fait n'importe quoi. Je suis tellement honteuse. En plus, j'ai tellement un bon souvenir de ce livre. Je crois que je vais le mettre là dans la sélection, même si je ne sais pas trop, en fait, au niveau du glauque. Les yeux d'Iris, c'est le deuxième roman de Magali Collet. J'ai lu, moi, La cave aux poupées, qui est effectivement bien glauque et qui était vraiment une super chouette lecture. Ici, on va suivre l'histoire de trois hommes, trois femmes, des retrouvailles, une vengeance, j'en sais rien, mais si c'est aussi glauque que La cave aux poupées, ça a tout son sens de le mettre là, dans la sélection. Il paraît que c'est glauque maintenant, je suis pas sûre. C'est 1793 de Miklas Mat Ochdach. Non, 1793, bah, franchement, on l'aurait deviné, je pense. On est à Stockholm, dans l'angoisse et la misère crasse. On va découvrir un corps mutilé, signe d'une lente et terrible torture. Et on va suivre des gens qui vont s'inquiéter de ce corps, puisque on va suivre un gars qui est un vétéran manchot et un juriste tuberculeux qui veulent rendre justice à ce cadavre. Et ils vont essayer d'élucider ce meurtre abominable. Et j'espère qu'il y aura d'autres petits meurtres abominables. Ça a l'air trop bien. En avant-dernier, je vais mettre L'Écarisseur de Nadine Matheson. Il y a de petites choses bien glauques ou nettes là-dedans, puisqu'on retrouve, je l'ai lu celui-là, on est à Londres. C'est un thriller qui va nous parler, c'est plutôt un policier pour le coup, qui va nous parler d'une enquête autour de différents cadavres qui sont retrouvés déchiquetés un peu partout dans Londres. Et on va enquêter un petit peu sur ces découvertes macabres. La couverture, franchement, je la trouve bien glauque. Peut-être même encore plus que le roman, parce que oui, c'était glauque, mais c'était pas le roman le plus glauque que j'ai pu lire. Maintenant, pour certains, ça va être dégueulasse, hein, j'en suis bien consciente. Mais il y a oui, il y a un passage bien, bien dégueu. Ah oui, non, il y a un passage. Oui, il y a un passage qui m'a un peu dérangée quand même. Mais c'est vrai que la couverture est quand même dérangeante. Je me souviens que je le prenais avec pour aller bosser. Et je bosse avec des enfants. Donc du coup, à chaque fois, je vais cacher la couverture pour pas que, bah, que les enfants aient peur. Et alors, le dernier, je l'ai mis tout en haut de la liste. Maintenant, je sais pas s'il est glauque, mais c'est ça le but de cette vidéo aussi. Hein, c'est d'anticiper et puis de se rendre compte que ma liste est que le plus doux, le choupinou, en fait, c'est le pire. J'ai trouvé. Et alors là, mais quel bonheur. C'est un livre que je rêvais d'avoir, mais je me suis dit, celui-là, je vais pas l'acheter. Neuf, c'est pas possible, il est beaucoup trop cher. En plus, c'est une espèce de grosse brique. C'est celui-là, je l'ai trouvé à 8 € chez Pêle Mêle. C'est Notre part de nuit de Mariana Enríquez. Depuis que Jérémy Fell en a parlé, c'est un peu un livre que je rêve de lire. Il paraîtrait que ce sera un petit peu à la cosmologie de monstres, et moi, cosmologie de monstres, j'ai adoré. Donc, on va suivre l'histoire d'un père et son fils qui vont en Argentine, qui traversent l'Argentine par la route, et on se demande où ils vont. Et on sait que le petit garçon a des pouvoirs. On nous dit que c'est entre Sylvina Ocampo, Cormac McCarthy et Stephen King. Et d'après Sève, c'est vraiment une petite pépite, quoi. Donc franchement, ça a l'air vraiment chouette. Il me semble que ce jeune garçon, il a des pouvoirs, il peut communiquer avec les morts. Donc je crois que c'est pour ça qu'on fait une allusion à Stephen King. Je pense que l'ambiance va être géniale également. Relation père-fils, je pense qu'il y aura des passages bien dégueux. Et franchement, si Jérémy Fell l'a conseillé, il a intérêt à ce qu'il soit dégueu, ce livre. Voilà, il me tente beaucoup. J'ai pas prévu de lire tout de suite, hein, mais je sais qu'un jour je lirai avec grand, grand, grand plaisir. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Enfin, c'est tout. Je pense qu'il a déjà duré assez longtemps. Je crois que je vais faire des efforts. Mais déjà, en décembre, je suis pas sûre d'avoir acheté des livres. Si? Je sais plus. Enfin bref, je vais faire attention pour les prochains book hauls parce qu'au bout d'un moment, j'ai la gorge en feu, je ne sais plus parler. Je ne sais plus parler tellement il y a de livres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Aïe, oh, je me suis donné un coup. Ciao.